Comme je le disais donc en introduction de cette messe et en guise d'ouverture, aujourd'hui est un dimanche consacré par l'Église pour que nous prions particulièrement pour les vocations. Souvent, spontanément, quand on entend vocation, on entend prêtre, moine, parfois mariage. On oublie souvent d'ailleurs qu'il y a une première vocation à laquelle nous sommes tous appelés, c'est le baptême. Est-ce que vous savez à quoi vous êtes appelés en vertu de votre baptême? À quoi vous engage votre baptême? Et d'une certaine manière, vivre le mariage, vivre le sacerdoce, vivre une vie de religieux, de religieuse, c'est toujours et encore vivre son baptême, d'une manière particulière. Devenir prêtre, c'est rester baptisé. Se marier, c'est rester baptisé. Et ces vocations particulières, sans racines, ne sont que le déploiement d'une vocation baptismale. À quoi sert le baptême? À quoi nous engage le baptême? Qu'est-ce que nous donne Dieu lorsqu'il nous donne cette grâce du baptême? Alors, comme j'avais moi-même ces questions, et comme je n'ai pas toujours les réponses, même si j'essaye d'avoir quelques réponses, je suis allé voir ce que disait le pape pour cette fameuse journée des vocations. Et alors le pape a sorti un papier, un message pour ce dimanche, que vous pouvez trouver sur Internet sans aucun problème. Et il parle de ce qu'est une vocation. Alors je vais faire du pape François et je vais, entre guillemets, je ne vais pas me fouler, je vais simplement vous dire, vous répéter ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. Si je peux vous donner le goût de le lire, j'aurai au moins réussi ça. Vous verrez à la fin, quand je donnerai des petits efforts concrets, je vous donnerai comme effort concret de lire ce message. D'ailleurs, en guise d'aparté, est-ce que vous comprenez vers où nous emmène le pape François? Est-ce que vous comprenez qu'il nous engage quand même dans un chemin un peu particulier? Ce fameux synode sur la famille, dont on entend parler avec plus ou moins avec d'inquiétude ou avec de grands espoirs. Je ne sais pas ce qui va en sortir de ce synode sur la famille. Ne vous attendez pas à des révolutions doctrinales. Ne vous attendez pas à des révolutions doctrinales. Par contre, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que ne cesse de répéter le pape François, et encore une fois dans le message pour cette journée, il le dit et il le répète. En gros, vous avez tout compris au pape François quand vous avez compris ce que signifie être en sortie. C'est-à-dire que le pape, encore une fois, lorsqu'il parle de vocation, il nous dit, finalement, la vocation s'appuie sur la dynamique de la foi chrétienne. Et cette dynamique de la foi chrétienne, c'est toujours une sortie. C'est toujours un exode. Il utilise deux mots dans son message qui ne cessent de répéter et qui se répondent. C'est sortie et exode. À la fin de la messe, vous allez sortir. Vous allez partir en exode. Ite missa est. Ça veut dire ça a été envoyé, en gros. La messe, c'est un envoi, c'est une sortie. Nous venons à la messe pour ressortir. Et donc le pape nous répète ça. Il ne cesse jamais d'ailleurs de nous le répéter. Il est constamment en train de nous dire, nous appeler à être en sortie. Et dans ce message, il dit finalement, le premier qui sort de lui-même, c'est Dieu. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la Trinité, mais en Dieu, il y a une sortie des personnes de la Trinité les unes vers les autres.
Et pour Dieu, être en sortie, et c'est là où ça va devenir un peu plus concret, c'est écouter la misère de son peuple et intervenir pour le libérer. C'est donc pas une sortie simplement entre soi, mais c'est une sortie vers sa création, vers sa créature, vers l'autre que lui-même. Le pape continue et il dit finalement l'Église est appelée à imiter son Dieu et à être en sortie. Et il continue en disant « L'Église doit être en sortie sans être préoccupée d'elle-même, de ses structures et de ses conquêtes. » Je vais répéter. L'Église est appelée à être en sortie d'elle-même sans se préoccuper d'elle-même, de ses structures et de ses conquêtes. Et il va encore aller un peu plus loin en disant « La sortie, c'est être capable d'aller vers les hommes et de les rencontrer dans leur situation réelle et de compatir à leurs blessures. » Pour Dieu, sortir, cela signifie s'intéresser à son peuple et le libérer de son esclavage. Pour l'Église, ça consiste à rejoindre tous les hommes dans leur situation réelle et à compatir à leurs blessures. Et puis enfin, pour chacun d'entre nous, c'est un chemin, il dit que c'est le chemin de l'âme chrétienne, c'est de passer de l'homme ancien à la vie nouvelle dans le Christ, c'est de laisser le Seigneur nous sortir du confort et de la rigidité de notre moi pour nous centrer sur Jésus-Christ. Tout un programme. Sortir du confort de notre moi, sortir du confort et de la rigidité de notre moi pour nous centrer sur Jésus-Christ. Et il cite l'exemple d'Abraham qui a quitté sa terre et sa famille pour une destination inconnue. Et là, je cite le pape dans le texte, « La vocation est toujours cette action de Dieu qui nous fait sortir de notre situation initiale, nous libère de toute forme d'esclavage, nous arrache à nos habitudes et à l'indifférence et nous projette vers la joie de la communion avec Dieu et avec les frères. » Et le pape va encore un tout petit peu plus loin en disant « À la racine de ce mouvement, il y a un appel à l'amour, car c'est l'amour qui nous fait sortir de nous-mêmes, qui nous entraîne dans cet exode et qui nous décentre de nous-mêmes. Alors nous serons dans une attitude toujours renouvelée de conversion et de transformation et nous passons de la mort à la vie, comme nous le célébrons dans la liturgie, rien de moins que le dynamisme pascal. » Est-ce que vous m'avez compris ? Est-ce que vous avez compris le pape ? En d'autres termes, le pape ne cesse de dire une seule chose, et j'ai l'impression qu'il le dit dans tous ses documents. Il nous demande de sortir de nous-mêmes pour aller rejoindre les autres, pour aller rejoindre Dieu. Donc je vous pose la question, concrètement, très concrètement, pour moi, dans ma vie de tous les jours, à quel exode je suis appelé ? À quelle sortie de moi-même je suis appelé pour aller rejoindre, non pas des gens comme moi, mais pour aller rejoindre d'autres qui me sont différents ? À quelle sortie suis-je appelé pour aller compatir avec des personnes que je ne connais pas, qui parfois me font peur, que je n'ai pas envie d'aller rejoindre? Tous, nous y sommes appelés. En vertu, et je reviens à la vocation baptismale, en vertu de notre baptême, nous avons reçu cette capacité
à sortir de nous-mêmes. La marque du chrétien, la marque du baptisé, c'est justement être capable de sortir de soi pour aller rejoindre d'autres, pour aller rejoindre d'autres personnes. Et ça, ça se passe dans la situation concrète de nos vies, ou dans les situations concrètes de nos vies. Dans mon travail, à quel collègue je ne parle plus ? À quel collègue je refuse de parler ? À quel collègue je n'ai jamais voulu parler ? Ou à quel collègue je n'ai jamais eu l'occasion de parler ? Ça se passe dans ma famille. À quelle personne dans ma famille je ne m'intéresse pas, ou je ne m'intéresse plus ? À quelle personne cela me coûte ? Cela me coûte-t-il d'aller ? Vers quelle personne ? En préparant cette homélie, il ne va pas regarder le film, donc je peux me permettre de le dire. En préparant cette homélie, je me suis posé la question pour moi. Je me suis posé la question pour moi. C'est bien gentil de dire ça, mais et toi ? Donc, en fait, vous savez, j'ai eu une vie avant d'être prêtre. Donc, j'ai rencontré des gens qui, aujourd'hui, au cas où ils regarderaient le film, sont mollement chrétiens. Mais ils ont cette franchise de toujours vouloir faire baptiser leurs enfants. Baptiser des enfants de gens qui sont loin de la foi, c'est toujours un peu une épreuve pour un prêtre.